Hello vous, j'espère que vous allez bien. On a vu la scène la semaine dernière. Oui, pardon, j'avais besoin de... Tu vois? Oui, alors je sais, il y en a qui m'ont mis en commentaire. Thibaut, t'as vu, tu l'as mis en miniature, on l'a vu 15 secondes. Mais c'est Hassen. Mais non, mais... Tu sais, des fois, t'as l'homme de ta vie, tu le croises 3 secondes, tu sais, c'est l'homme de ta vie. Homme, femme, peu importe. Mais là, Hassen est un mec, tu vois. Donc voilà. Non, mais Hassen, c'est mon goal de ce jeu. Si on l'a entreaperçu 15 secondes, si on l'a entreaperçu 15 secondes, ça veut dire qu'on va le revoir. Je veux le revoir, je ne vis plus que pour ça maintenant, sachez-le. Ça y est, Alex d'amour. Enfin, lui, Alex d'amour. C'est mes deux, tu vois. Un peu mes deux crouchinou-ninou, tu vois. On y va, on continue. On avait accompagné Clément, Jasmine et Layla d'amour au concert de Jay slash Henry. Il y a manifestement beaucoup de meufs qui hurlent, donc j'espère que ça ira niveau jalousie pour Layla. Après, le stade groupie, je pense, c'est pas ça le pire. Je pense vraiment des meufs qui hurlent en mode copule-moi, il prend ma culotte. Je pense que ça va. Je pense que le pire, c'est vraiment l'intimité qui se crée avec des meufs qui pensent qu'il y a moyen, genre. La meuf chanteuse ou Clémentine? Clémentine, je vais dire Mandarine, non, c'est vraiment Clémentine. Donc voilà, là c'est plus compliqué. Là je pense que ça va, c'est plus compliqué quand c'est des meufs qui ont un contact privilégié, quoi. Allons-y, accompagnons-les au concert de Jay slash Henry. Je dis les deux parce que il se différencie lui-même. Waouh, ça en fait des filles qui hurlent. Hey, dis, tu vas pas commencer, hein? Oh, mais non, je suis content d'être là. Content. Je suis là pour lui, quoi. Tu vas voir, tu regretteras pas, il va t'impressionner. J'en doute pas. J'avoue que j'ai hâte de voir ça. Je regarde Clément au milieu de ce public composé en grande partie de filles. Il y a des femmes de tout âge. Je me dis qu'elles sont toutes là pour Henri. Est-ce que je vais m'y habituer un jour? Ouais, ça je pense ça va, tu vois. Un texto d'Henri. Tu me rejoins quelques minutes avant que ça commence? Oui, j'arrive. À tout de suite. Jasmine, Clément, je vais m'absenter quelques minutes, je reviens. Ne me mets pas en retard, ça craint. Il me fait un clin d'œil. Je lève les yeux au ciel. Oh là là! J'allais dire une insanité. J'ai eu une pensée salace qui m'est venue, dite de manière crue. Je vous laisse l'imaginer. Hein, voilà, je vous laisse un petit peu de libre arbitre au niveau pensée dégueu. J'arrive devant les coulisses et je reconnais le vigile. Bonsoir! Mais qui voilà! On veut toujours rentrer, n'est-ce pas? Oui, et cette fois-ci, j'ai tout ce qu'il faut. Vous m'en direz tant. Je sors le badge qu'Antoine m'a donné dans la journée. Il stipule que je suis son assistante. Ça, c'est la maga classe. Il se baisse et scrute mon badge qu'il scanne avec sa machine. Allez-y, mademoiselle Leila, vous pouvez entrer. Merci, vigile sympa. Après avoir traversé les couloirs bondés, j'entre dans la loge de Jay comme si j'avais fait ça toute ma vie. Faut dire que je commence à bien connaître les lieux. Leila. Il s'approche de moi et me prend dans ses bras. Mais ça, c'est pas du tout grillé. Enfin, je ne sais pas. Genre, personne n'est dans sa loge, soit, mais il y a des clampins dans le couloir. C'est la plèbe, le bas peuple, des techniciens, je ne sais pas moi. Peut-être que des personnes mal intentionnées pourraient vendre pour quelques copecks l'information à Voili-Voilou. Je dis ça, je ne sais pas, mais on ne peut pas. Faut pas faire confiance au peuple, mon brodas. Je rigole, non mais voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même très naïf de penser qu'il y a une meuf qui arrive dans la loge d'une star super connue et que personne va la griller ou la balance, tu vois, enfin. Je vous donne quelques minutes. Merci, papa. Antoine sort et nous laisse tous les deux. Henri s'approche, me prend à nouveau dans ses bras pour m'embrasser. Comment tu te sens? Ça va, un peu tendu comme à chaque fois que je vais monter sur scène, mais ça me fait du bien de te voir. Il me sourit. Je suis apaisée de te savoir près de moi. Je me blottis dans ses bras. Oh, petit bouchon! Note perso à moi-même, je sais jamais quand je dis je me blottis. Si c'est un S ou un T, il y a des mots comme ça, je sais pas pourquoi. Oui, je digresse total. Mais vous savez, alors que c'est je mets un T. Est-ce que vous aussi, vous avez des verbes qui vous font chier comme ça? Ça m'arrive souvent, hein, et je me reprends après, je me dis, mais enfin, Marilyn, tu ne sais plus écrire. Eh ben non, manifestement, je ne sais plus. Je suis toujours près de toi, tu le sais bien. Il pose sa tête sur la mienne en me serrant davantage. Je visualise le mouvement. Oui, toujours. Comment va Clément? Il n'a pas l'air dans son élément, mais je pense qu'il a hâte de te voir à l'œuvre. J'espère que je ne le décevrai pas. Il va t'adorer. Tu as des petits rituels pour te donner de la force avant de te lancer sur scène? Pas vraiment. Il baisse les yeux, gêné. Il va faire pipi? Enfin, si, peut-être, un peu, depuis quelque temps. Il se masturbe en pensant à Leïla, à chaque... Non, mais non, parce qu'après, t'es détendu. Donc, c'est pas top avant un concert, techniquement. Oh! Il fait caca? Je sais, il a honte, alors je... Il met la main sous son haut et en sort le collier que je lui avais offert à Noël. J'ai ceci. Il ferme alors les yeux en tenant dans sa main la plume argentée.
Il porte sa main à ses lèvres comme une prière, puis lève les yeux vers moi en souriant. C'est un peu comme mon talisman maintenant. Ça peut être ridicule, je sais. Non, ça ne l'est pas. C'est adorable. Bah, tu penses. C'est sûr que si t'avais répondu, ouais, bah je vais aux toilettes, je vais chier un bon coup, c'est sûr que ça serait pas la... Mais oui, mais Henri, dis pas ça. Hein, Henri, c'est pas... Il est pas de la plèbe. Voilà, c'est pas... Parce que moi, le mien, ce serait plutôt... Bref. Je ne sais pas si le mot adorable est celui qui me rassure le mieux. Bref, je sais que c'est un peu cliché, mais ce collier a beaucoup d'importance pour moi. Je me dis qu'il me protège. Désolée, je suis restée sur ça, mais je suis désolée, mais moi, mes potes, ils me répondraient tout, je vais chier. Mais c'est sûr. Je dis mes potes. Les hommes de mon entourage. À part quelques petites exceptions, quand même. Mais non. Je ne sais pas si, du coup, c'est mes potes qui sont vraiment très trash, ou si c'est vraiment, genre, les gars en général, et que Henri est l'exception, je ne sais pas. Vos potes sont du genre à répondre quoi, vous? Moi, je vais chier, ou genre, j'embrasse un collier en pensant à toi? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Je prends sa main qui enveloppe toujours le pendentif et embrasse ses doigts sans le quitter des yeux. Je pense qu'ainsi, la magie opérera bien mieux. Je pense aussi. Il m'embrasse une dernière fois et je sors de la loge retrouver mes amis dans les gradins. C'est mignon. Comment il va? Il m'a demandé la même chose pour toi. Il espère que tu aimeras. Je pense que c'est son but de la soirée. Cool! Jay va chanter pour moi! Norage, Leila! T'es bête, hein! Les lumières de la salle s'éteignent et ce sont celles sur scène qui s'illuminent. Comme la première fois, les écrans géants se mettent à clignoter en même temps que les projecteurs. Les choses ne sont pas à moitié avec lui. Jasmine se tourne vers moi. Elle est heureuse et prend son pied. Titre, du coup. Ah oui, bon là, c'est pas moi! J'observe Clément. Il est absorbé par la scène, même si Henri n'a toujours pas fait son entrée. Les lumières ralentissent. Puis sa guitare résonne d'un seul coup, en même temps que sa voix d'abord doucement, et tout s'illumine. Oh là là, Henri, fais-nous kiffer! Il apparaît au milieu de la scène avec ses danseurs, et le show commence de manière spectaculaire. Il a un peu une coupe à la Peaky Blinders, non? Oui, je viens de finir Peaky Blinders, je suis un peu à fond dedans. Oh non, mais je chante pas, je vous laisse chanter vous. Je suis allée un peu vite. Du coup, je sais pas. En fait, j'ai pas la musique quand j'écoute, quand je fais le jeu. C'est beau les paroles. J'accélère, vous écouterez la musique tout seul de votre côté. Hein. Mais c'est beau. Oh, JJ. J'en prends plein les yeux, plein les oreilles. Et dire que j'étais là quand il m'en avait fait écouter les prémices. Aujourd'hui, je suis dans une salle de concert où Henri s'apprête à chanter, guitare à la main, en dansant au milieu d'une dizaine d'autres professionnels. Je jette un œil une fois encore vers Clément. Un sourire ébahi sur le visage, il ne quitte pas Henri des yeux. Il se tourne vers moi, radieux, les yeux écarquillés. Waouh! Mais ça défonce! Il déchire, mon pote! Je te l'avais bien dit, gros nigo! Je regarde le public et c'est l'hystérie la plus totale. Les gens crient, chantent, sautent, certains pleurent. C'est complètement dingue. Je demande alors à Jasmine. Ça ne te fait pas bizarre, toi? Si, carrément! C'est mon premier concert depuis que je sais. J'ignore si c'est pour ça, mais j'ai l'impression que c'est encore mieux. J'ai pas d'éléments de comparaison, hélas. Je pense qu'il doit se donner à fond car on est là pour lui. En effet, il rayonne encore plus que la dernière fois. Le sourire radieux ne quitte pas son visage. La magie du pendentif semble faire son effet. Quelle énergie, quelle présence scénique, quelle voix. Et dire que c'est Henri. Mon cerveau a du mal à faire la connexion entre Henri et Jay, surtout quand je le vois ainsi. Il est impossible de le reconnaître. Il termine sa chanson, mais il n'a pas l'air d'enchaîner sur la suivante. Du moins pas pour le moment. Hey, qui a envie de venir me rejoindre sur scène pour passer un petit moment avec moi? Wouh, ça doit hurler là, laisse tomber. Laisse tomber l'hystérie.
Le public se déchaîne et des membres du staff choisissent une jeune fille dans le public non loin de nous. Ils la font monter sur scène. Elle est intimidée et émue d'avoir été choisie. Oh, bichette! L'élu, main devant la bouche pour masquer sa gêne et son euphorie, s'avance vers Jay qui lui tend la main. Tout le monde hurle lorsqu'il se baisse en une révérence pleine de grâce. Je sens mon cœur se serrer. Oh, ça va, c'est une bichette! La fille est d'autant plus émoustillée et manque de s'effondrer. Ah, oui, d'accord, oui. Jay est toujours baissé face à elle. Il la tire vers lui pour lui faire un baise-main et je sens mon sang quitter définitivement mon cerveau. C'est un baise-main. Ah non, là, pour le coup, là. Autant, Layla, tu sais que je te défends et que je suis avec toi et tout sur plein de trucs. Là, un baise-main. Tu vois, ça... C'est méchant, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Puis ils se reverront jamais, tu vois ce que je veux dire, bah. Le public continue de hurler. Il la lâche et commence à chanter et à danser autour d'elle. Ah oui. Son groupe de danseurs vient le rejoindre et il se met à bouger autour de la fan. Elle est complètement en transe. Moi, un peu moins. Jay continue à faire des pas de danse devant elle comme s'il essayait de la courtiser et qu'elle le repoussait. Il est tiré en arrière par ses danseurs qui l'éloignent d'elle avec qui il fait mine de se débattre. La chorégraphie est parfaite, très technique et mélodramatique à souhait. Jay termine sa chanson en prenant les mains de sa fan qui est au bord du décès et se penche pour l'embrasser sur la joue. La scène se plonge dans le noir sous les applaudissements assourdissants de la salle. Moi qui me targuais de ne pas être de ces filles jalouses, oui, non mais... Oh, là, 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 là... Je sais qu'il n'y a rien, qu'il s'agit d'un travail, mais je suis touchée. Oh, et encore, heureusement qu'il s'est pas foutu à poil, hein. Cet aspect-là de sa vie ne me met pas du tout à l'aise. Ça fait des mois que je dis que je digère tout ça, mais visiblement je suis encore loin d'avoir fini la digestion. J'étais tombée amoureuse d'un geek à lunettes et en moins de temps qu'il nous faut pour le dire, il s'est transformé en super rockstar que toutes les filles s'arrachent. Je peux comprendre. Pat Layla, je peux comprendre. Je chasse rapidement toutes ces mauvaises idées. J'ai encore un long travail à faire sur moi. Va falloir te remettre en question une fois encore, ma grande. Henri continue son show de manière encore plus spectaculaire qu'au début. Je ne pensais pas ça possible. Je suis à nouveau absorbée et fascinée. J'en oublie facilement mes maigres tracas. Je me rends compte aussi que j'apprécie le spectacle d'une manière tellement différente que la première fois. J'étais clairement pas dans le même état d'esprit. Je pense que j'avais pas dû apprécier le concert à sa juste valeur. Cette fois-ci, c'est différent. Jay finit son show dans un bouquet final explosif et remercie son équipe, son public et tous les gens qu'il aime. Il dégage tellement de bonheur, d'amour et de joie. Il est fait pour ça. Je suis si fière de lui. Alors, c'était pas hyper trop génial ? Grave. Moi, je n'avais aucun doute. Oh, ça va, toi. C'est pas que j'avais des doutes, mais je savais pas à quoi m'attendre. Je te rappelle qu'il est passé d'ennemi juré à meilleur pote en un claquement de doigts. Hein. Nous rions, Jasmine et moi. Mon téléphone vibre, c'est Antoine. Allô ? Salut, ma grande. Tu pourras venir le voir avec les autres dans 30 minutes. C'est bon pour vous ? Oui. À tout à l'heure. Nous attendons sagement dans les gradins, alors que la salle se vide. Un groupe de trois filles non loin de nous nous observe avec insistance. Finalement, elle s'approche. Hey, vous ne partez pas? On préfère prendre notre temps. Pourquoi? Ok. En quoi ça vous regarde? Parce qu'on pense que vous attendez une séance de dédicace très privée. Pardon? Donc on attend de voir où vous allez aller. Elle se regarde fière d'elle, persuadée d'avoir flairé le coup du siècle. Et comment? Elles ont le nez fin. On attend juste qu'il y ait moins de monde dehors et on préfère rester au chaud, c'est tout. Les 30 minutes se sont écoulées et on est bloqué car les filles ne nous lâchent pas des yeux. Mon téléphone sonne une fois de plus. C'est Antoine. Je décroche. Antoine ? Layla, tout va bien ? On ne vous a toujours pas vu arriver ? Eh bien... Les filles me regardent avec insistance. Nous nous sont déconnés, gueulés dessus, non ? C'est que... La voiture qui vient nous chercher n'arrive pas avant quelques minutes encore et on préfère attendre à l'intérieur. De quoi tu parles? Oui, voilà. On peut pas venir tout de suite. Vous êtes bloqué et tu ne peux pas me parler comme tu veux. C'est ça. Laisse-moi deviner, il y a des fans coriaces qui attendent de voir où vous allez vous rendre. C'est ça. Ne bouge pas. Il raccroche. Quelques instants plus tard... Hey, vous là, qu'est-ce que vous faites? On voulait attendre à l'intérieur. Je veux pas savoir. Il se tourne vers le groupe de filles. « Montrez-moi vos sacs. »« Mais le concert est fini ?»« J'insiste. » Ils regardent leurs sacs comme les agents de la sécurité à l'entrée. « C'est bon, vous pouvez partir. » Les filles nous regardent. « Et vous ?» Ils regardent mon sac. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Suivez-moi. Il s'adresse aux filles. Quant à vous, je vous ai demandé de partir. Son ton est ferme, sévère et ne laisse pas de place à l'hésitation. Allons-y. Il nous guide alors vers les coulisses et fait signe pour la dernière fois aux fans de quitter la salle. Finement joué, bravo! Ça va devenir une mauvaise habitude que je vous sauve toujours la mise, mademoiselle Leila. Hein. Merci. Je m'appelle Basile. Enchantée, Basile. Antoine m'a fait savoir que vous étiez en difficulté. Oui, elles voulaient pas nous lâcher. Elles sont parties, vous pouvez y aller. Merci, Basile. Nous passons les péridots et Clément est comme un enfant. C'est sa première fois pour lui. Titre. Facile, facile, mais... Nous entrons dans la loge. Ah, enfin! C'est Basile qui nous a aidés. Il assure, ce Basile. Oui, toujours. Je vous laisse entre vous, les enfants. Merci, papa. Antoine sort de la loge et on se retrouve tous les quatre. Henri trépigne d'impatience. Avec une pointe d'appréhension, il attend l'avis de Clément. Alors Clément, tu en as pensé quoi? Mon ami se frotte le menton puis passe sa main dans les cheveux. Feignant d'être mal à l'aise, il fait languir sa réponse. Le visage d'Henri commence à se figer, mais Clément ne lui laisse pas le temps d'être déçu et il se lance. Mec, c'était de la bombe! Bordel, c'était complètement ouf, tes fans étaient en délire! Et puis toi, non mais je savais pas que tu pouvais faire tout ça! T'es un grand malade! C'est que ça t'a plu alors? Non mais carrément, j'ai même pas honte de le dire, hein! C'était trop bien! Et pas juste parce que t'es mon pote, hein! Enfin, peut-être un peu. Ou pas. Mais non, t'étais juste hyper bon! Il pose lourdement sa main sur l'épaule d'Henri. T'as grave assuré, j'ai adoré. Clément, je suis vraiment heureux, merci, je suis touchée. T'es le meilleur! Merci! Il se tourne vers Jasmine. Jasmine, quel est ton avis? Ah, oh, Henri, c'était un de tes meilleurs concerts! C'est vrai? Oui! Elle se lance dans le débrief complet du show. Elle n'oublie rien, le choix des chansons, l'ordre dans lequel elles sont passées, la voix de Jay, les reprises, les danseurs, les écrans géants, les jeux, les discours, les lumières. Henri boit les paroles de Jasmine fasciné. C'est pour lui un avis des plus importants. Ils échangent longuement tous les deux. On se regarde avec Clément, attendri par ces deux-là qui parlent le même langage. Henri est plus que ravi de ce flot de compliments et d'encouragements, surtout venant de la part de Jasmine qui a déjà assisté à pas mal de ses concerts. Mon ami se permet même de pointer du doigt des détails qui, selon elle, sont à améliorer et il prend note de toutes ses remarques plus que pertinentes. Enfin, il s'approche de moi pour me prendre les deux mains. Et toi? Pareil. Leïla! Oui, je sais. J'ai pas trop d'inspiration. Je pourrais décrypter de la déception dans ses yeux. Il sait très bien que j'ai un avis, mais j'ose pas le donner. Je soupire. Comment être crédible après la tirade de mon ami? Fidèle à lui-même, il lit dans mes pensées. Il me regarde amoureusement et me caresse la joue tendrement. Ton avis compte plus que tous les autres. Pardon, Jasmine. T'inquiète! Il approche mes mains contre ses lèvres et susurre. Je n'ai chanté que pour toi, Leïla. Il est doué. Je sens mon cœur s'affoler dans ma poitrine. Je me tortille. Bon, d'accord. Comment lui résister? Même avec ses lentilles noires qui lui cachent le magnifique bleu de ses yeux, l'intensité de son regard reste la même. J'avais pas capté qu'il avait des lentilles, j'avais oublié ça. Je fonds. J'aurais jamais cru tout ça possible. Je pensais m'être faite à l'idée, mais quand je te vois chanter comme ça, danser, organiser tout ce concert avec ton équipe comme je t'ai vu le préparer pendant des mois... Quel talent tu as, Henri! Tu étais magnifique, et puis quelle voix, tu te rends compte? En plus, tu danses en même temps! Je suis tellement impressionnée, tellement, tellement! Toutes ces personnes qui hurlent ton nom, qui chantent à l'unisson avec toi, c'est toi qui crées tout ça. Tu rassembles toutes ces personnes autour de ta musique, de ton travail, de ton talent, de ce que tu aimes plus que tout. Nous sommes tous émerveillés. Je prends son visage entre mes mains, prise dans mon euphorie. Oh, je suis si fière de toi, Henri. Tu as réussi à vivre de ta passion, de la plus belle manière qui soit. Je suis si fière d'avoir pu assister à ça. Mais c'est trop beau comme moment! Fière d'avoir pu vivre tout ça. C'était fort, intense. Il y avait cette folle énergie dans la salle, c'était magnifique, c'était beau, c'était spectaculaire. Merci Henri, merci. Il va pleurer. Waouh, pas mal. Soudain, il m'attire dans ses bras pour me serrer fort. Je l'entends me dire au creux de mon oreille. Bon sang, comme je t'aime Leïla. Henri me lâche.
Je pense qu'il est l'heure pour nous d'y aller. Oui, on va vous laisser vous faire des bisous et des câlins tranquilles. Jasmine lève les yeux au ciel. On se dit tous au revoir et mes amis quittent la loge. Tu passes la nuit avec moi? J'ai une belle suite dans un hôtel. À l'hôtel? Ouais, parfois je brouille un peu les pistes en sans croire que je ne vis pas ici. C'est pour ça que je vais dormir à l'hôtel. Oh! Il faudra t'y rendre sans moi par contre, j'arriverai un peu plus tard. Il faut pas qu'on nous voit ensemble, tu te doutes bien. Il fouille dans son sac et me lance les clés de sa voiture. Rends-toi à cette adresse avec ma voiture, voici le passe pour la chambre. Tu vas me laisser conduire ta voiture? Je le regarde, provocatrice. J'espère qu'il n'a pas peur car je suis tout de même une nouvelle conductrice. Je te fais confiance, je sais que tu en prendras soin. Il me lance un clin d'œil. Promis! Oh, ils vont passer la nuit à l'hôtel, c'est romantique! Waouh! Ah oui! Ah oui! Waouh, le bain! Oh! Je veux! Écoutez-moi bien, je veux un jour passer la nuit dans un truc où il y a ça! Et tant qu'à faire, copuler dedans. Ah oh, bah écoute, tant qu'à faire, excuse-moi! Non mais c'est quand même trop stylé! Par contre, j'espère que tu peux couper le robinet quand tu dors, sinon ça peut vite être chiant, hein. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel sans difficulté en prenant soin de ne pas me garer dans le parking de l'établissement. J'entre enfin dans la suite qu'Henri a réservée. Waouh! Impressionnant! C'est vraiment une suite de stars. Je m'avance et vois un magnifique bouquet de roses rouges sur le lit. Je reconnais aussi un sac à moi. Le tout accompagné d'un petit mot. Je lis. J'ai demandé à Jasmine de préparer ce sac pour toi avec des affaires pour passer ta journée de demain à mes côtés. Tu peux m'attendre dans la salle de bain si t'en as envie. Tu pourras t'y relaxer, je serai bientôt près de toi. Je t'aime. Oh, c'est quand même trop mimou! Les papillons dans mon ventre s'activent et je serre le mot écrit de sa petite écriture contre mon cœur. Je fais le tour de la chambre et en effet, le coin salle de bain est équipé d'une immense baignoire remplie d'eau moussante et fumante, accompagnée de plusieurs petites bougies. Non mais voilà aussi, Ah oui, bah c'est vrai que bon, quand on est du peuple, on n'a pas de... Hein, bon, oui, bon, voilà. Il a pensé à tout. Je me déshabille et me glisse dans l'eau chaude, tant qu'à faire, hein. Tous mes muscles se décontractent et je me détends. À peine quelques instants plus tard, la porte de la chambre s'ouvre et Henri entre. Hey, mais que vois-je? Il y a une femme nue dans mon bain? Il s'approche de la baignoire, petit sourire en coin. Oui, je passais par là, j'ai vu de la lumière, un bain chaud, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Henri retire son haut, puis tous ses bijoux et ses lentilles noires. Je retrouve enfin ses beaux yeux bleus. Il se baisse pour se mettre à ma hauteur et je m'accoude au bord de la baignoire. Je l'avais jamais vu habillé comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. La chambre te plaît? C'est magnifique, Henri. Tu restes avec moi demain? J'ai fait venir tes affaires au cas où, mais tu n'es pas obligée. C'est bien de demander, c'est bien. Je serai heureuse de profiter d'un moment rien qu'avec toi. Bien. Il se lève, finit de retirer le reste de ses habits et vient me rejoindre dans le bain. Instinctivement, il vient se mettre dans mes bras et pose sa tête contre ma poitrine en fermant les yeux. Ah, je crois que j'ai jamais autant apprécié un après-concert. Je caresse son crâne rasé. C'est peine perdue d'essayer de toucher ses cheveux laqués. C'est aussi dur que du béton. Nous nous serrons l'un contre l'autre dans nos bras en silence, en appréciant ce moment d'amour et de tendresse. Il se redresse et m'embrasse. Plus son baiser devient passionné, plus son souffle s'accélère. Comme d'habitude, j'aime ce moment où il perd le contrôle. Il m'embrasse la totalité du visage, puis mes mains. Puis il recule en me tirant vers lui pour m'inciter à me mettre sur lui. Je plaque mon corps sur le sien et il peut me serrer encore plus tout contre lui. Oui, bon, il copule dans l'eau, quoi. Oui, non, mais je peux comprendre. Avec une baignoire incrustée comme ça, oui, ça pousse à la copulation, hein. Henri maintient mon visage dans ses mains pendant qu'il m'embrasse encore et encore et encore et encore et encore. J'en ai un peu rajouté, mais c'est l'idée. Ah, donc on coupe pas l'eau, hein. Du coup c'est un peu chiant. Je me réveille et me rappelle que je suis dans une somptueuse suite d'un hôtel de luxe. Henri dort à mes côtés, imperturbable. Je m'installe bien comme il faut pour mieux le regarder dormir. Il est si apaisé, si beau, si parfait. L'envie de le toucher me dévore, mais je ne veux pas le réveiller. Finalement, ma résolution de ne pas vouloir le réveiller ne tient pas face à mon envie et je finis par me coller à lui. Je le sens bouger, mais il ne dit rien. Henri ouvre un bras pour que je puisse me blottir contre son torse. Il prend ma main, l'embrasse, la cale contre sa poitrine et se rendort. J'essaie de ne pas bouger et je me rendors à mon tour. J'entends la pluie dehors et c'est ce qui me réveille. Bonjour. Je me blottis tout contre lui pendant qu'il me serre dans ses bras en m'embrassant le front. T'as bien dormi? Comme un bébé. Ce serait un petit peu dégueulasse du coup, vu qu'ils ont... Bon, il s'étire comme un chat. Tu veux manger? Oui! Marcus va pas tarder avec le petit déjeuner. Henri se lève et enfile des habits. En effet, quelques minutes plus tard, on tape à la porte. Bonjour monsieur, voici votre repas que j'ai intercepté pour vous. Je ne vois pas la porte d'entrée d'où je suis, mais j'entends Marcus très clairement. Henri revient avec un énorme plateau qu'il pose sur le lit devant moi.
Il se penche pour m'embrasser. Et voilà. Oh, il est trop pipounou comme ça. Nous avons passé la totalité de cette journée pluvieuse dans cette chambre, en grande partie dans le lit. Comme souvent, Henri joue de la guitare et chante. J'adore ces moments. Il m'incite souvent à me joindre à lui pour partager sa musique avec moi. Il me fait écouter ce qui l'inspire, joue de nouvelles choses qui lui viennent en tête. Pour ma part, je suis au paradis. J'ai passé mon temps à l'écouter jouer en regardant la pluie tomber dehors. C'est tout simple et pourtant, si le bonheur pouvait avoir une image, ce serait celle-ci. Tu veux encore rester ce soir et cette nuit? Demain, je t'accompagnerai au lycée. On ne risque rien si on sort de l'hôtel ensemble? On sortira discrètement. On attendra qu'une foule de personnes sorte pour se mêler à eux et puis ça ira. Alors, tu restes? Quelle question! Bien sûr que je reste! Je vais appeler le room service pour se faire un superbe festin. Oh oui! Et on s'arrête là pour le retour à la réalité de Layla, puisque là, du coup, on l'a accompagnée pendant son petit séjour au 7e ciel, dans tous les sens du terme, d'accord, parce que d'ailleurs, parce que l'hôtel avait l'air d'être quand même assez haut. Enfin bref, on s'en fout. C'était trop mignon! En vrai, j'ai adoré! J'ai adoré, j'ai trouvé leur moment vachement mignon, vachement intense. Alors, la petite jalousie pendant le concert, je peux comprendre, mais il y a tellement d'affect derrière. En fait, si c'était que ça, tu vois, ça serait pas... C'est pas un point qui m'inquiéterait pour Layla. Ce qui m'inquiète plus, c'est le fait qu'il entretienne ce jeu-là, y compris dans ses interactions humaines, en tant que Jay, avec ses contacts féminins. C'est plus ça qui m'inquiète. Genre avec Sheeran, je crois qu'elle s'appelle. C'est plus ça qui, pour moi, est problématique pour elle. Parce que là, bon, un concert, c'est du show, tu vois, et ça se voit. Je pense que son petit sentiment de jalousie a dû être totalement rassuré par rapport au moment qu'ils ont passé toute la nuit, puis le lendemain. Donc, c'était pas un point qui m'a personnellement choqué. Donc, j'ai hâte d'avoir vos avis, comme d'habitude, en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Qu'avez-vous pensé de tout, en fait, du concert, de Clément, de leur couple? Moi, j'ai vraiment trouvé ce moment super mignon. Du coup, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream. Prenez bien soin de vous et je vous aime très fort. Mouah !